Que ressent... Hop là, la personne que tu aimes, regarde. Tu l'as transcendée. Cette rencontre, elle a été foudroyante d'une part comme de l'autre. Bah écoute, ça te donne le tempo de ton tirage. Qu'est-ce qu'il ressent la personne de ton cœur? Qu'est-ce qu'elle ressent? Tu l'as transcendée. Elle essaye d'accepter de vivre cette relation, ou du moins ce qu'elle ressent, avec légèreté. J'ai tellement peur, je veux prendre le temps. Il y a de la fidélité de cœur. Hein. On sent que tu l'as foudroyée. Tu as fait totalement vibrer son cœur. C'est vraiment comme ça qu'on me le montre. Et toi aussi. Hein. Et plus le temps passe, plus ça dure, plus c'est pesant, plus c'est compliqué. Il y a une séparation. Bon. Vous êtes éloignés. Hein. Ce n'est pas forcément une séparation brutale, mais il y a eu peut-être de l'éloignement depuis cette rencontre-là. Là. Tu l'as totalement déboussolé et ça a été compliqué. Donc, j'ai eu besoin de prendre du recul. Ou c'est peut-être toi. Hein. C'est peut-être toi. Hein. Tu n'étais peut-être pas prêt ou prête à vivre cette relation. Tu ne l'as pas vu venir. Mais on te parle de regain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ce que tu peux contrôler. Il y a des promesses. En fait, c'est un peu comme si vos cœurs s'étaient promis de se réunir quoi qu'il se passe. Qu'est-ce qui peut se passer? Putain, j'ai du mal à parler ce matin, excusez-moi. Il y a de la communication. Je reviens vers toi, vers une communication. Ça veut dire que la communication, elle n'est pas rompue. Hein. Et il y a des réconciliations. Ok, d'accord. Parce que vous avez été tous les deux transcendés par un véritable coup de foudre. Cette rencontre que vous avez essayé d'accepter avec légèreté, elle dépasse l'entendement. On sent que vous avez essayé d'aller contre, peut-être vous deux en même temps, peut-être lui, peut-être toi, ou peut-être elle, en fonction de ce que tu vis, si tu es un homme ou une femme. Et il y a quand même ce regain, ça veut dire qu'à chaque fois, peut-être que vous envoyez un message, il y a de la palpitation, le cœur qui vacille, que le soir tes pensées ou ses pensées vont vers toi. On sent que vous allez oser parler pour aller vers une réconciliation parce que c'est plus fort que vous, c'est plus fort que vous. Parce qu'entre vous, il y a eu un vrai coup de foudre et de l'amour. Il y a certainement des choses dans la matière qui n'ont pas pu se mettre en place tout de suite. C'est pas grave, ça veut dire que c'est reculé pour mieux sauter. Il y a besoin de mettre des choses à plat, c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, on te dit que vous allez vers une vraie réconciliation. Aujourd'hui, je me sens prêt ou je me sens prête à avancer avec toi. Je pense que toi aussi, tu te sens prêt ou prête à avancer avec cette personne. Parce qu'on sent que vous avez de l'harmonie quand vous êtes ensemble. Et surtout, c'est qu'il y a de l'amour. Mais ce qui compte peut-être pour moi le plus, c'est que vous osez enfin vous parler. On te parle de voix libératrice.